Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, maman, comment tu vas? Ah, ça va tout doucement et Ça bien. tout doucement et bien. Donc, deux Et phases. bien. Oui, tout doucement et bien. Alors, tu vas nous donner les deux phases dans les moindres détails parce que les gens de Bamba et aiment les détails. Donc, tout doucement, comment et bien, comment? Parce que je ressens déjà. Ça veut dire que j'avais des vibrations Oui. au niveau de mon bras. Oui. Bon, depuis là, je sens comment c'est en train de partir tout doucement. Tout doucement. Et oui, et au niveau de mon cou, ça veut dire que ça avait l'air un peu comme ça devrait être raide là. Alors, sans rien, comme j'ai tout laissé depuis mardi, je sens déjà une nette amélioration. Applaudissements pour le Seigneur. Magnifique Jésus, magnifique Jésus, magnifique Et Jésus. tout ça, quand je dis doucement et bien, parce que j'attends la guérison totale. Total, Je suis total. dans la guérison totale. Je me dis qu'en appuyant doucement, et bien, c'est pour atteindre un but définitif, une Définitif. guérison définitive. Mais là, ce que tu vas expérimenter maintenant, tu vas expérimenter deux choses. Même si la fatigue vient, tu vas Oui. remarquer que à un moment donné, tu vas commencer à aller vite, beaucoup aux toilettes. Si tu le fais, Donc, depuis là, je vais aux toilettes. Depuis là, oui. je vais régulier. Ça veut dire qu'à un moment donné, même j'ai même eu peur. Je n'ai pas voulu seulement. Bon, voilà, je vais aux toilettes régulièrement Très, maintenant. très bien. Ça, c'est un. Des deux, tu vas remarquer maintenant que ton corps commence à faire comme si tu es légère, comme si tu as perdu du poids. Tu vas sentir cette légèreté-là. Moi-même aujourd'hui, j'ai un peu ressenti ça au niveau de mes joues. Très bien. Alors, tu vas comprendre quelque chose a été quitté progressivement, comme tu en te l'as dit, d'accord? Oui, frère. Ne crains point. Oui, frère. Ne crains point. Ton rédempteur est vivant. J'ai vu, pendant que ce qu'on est, j'ai vu dans un groupe aujourd'hui une femme, un pasteur qui tente de faire un direct exactement comme moi, comme ça. Quelqu'un l'a appelé là-bas pour dire, oh, faux prophète, il faut laisser les gens aller à l'hôpital, il faut laisser aller faire des choses. J'ai entendu cela, j'ai ri. Apparemment, c'est un médecin qu'il faut que les gens partent à l'hôpital. Les gens partent à l'hôpital, ils meurent, non? Ils tuent les gens là-bas. Continuez à aller. Oui, On va vous tuer oui, là-bas doucement, il y bien, a des mais. gens qui sont des cobayes à l'hôpital, qui servent de cobayes là. Oui. Bon, frère Junior, Oui. j'avais aussi une préoccupation. Oui. Je voulais vous demander parce que Si c'est quelque chose de privé, déjà on mardi. rentre en privé. Si tu veux dire Non, que le pas en monde. privé, pas en privé, c'est Très bien. pas privé. Ok. C'est pas privé. Ok, Je peux m'exprimer. maman. Ce qui fait que je me dis, d'après le témoignage, je ne sais pas s'il fasse que j'aille à l'hôpital Justement. vérifier ma pression artérielle. Non, ne t'inquiète pas. Le moment viendra, d'accord? N'aie pas peur par toi-même. Il faut qu'une instruction soit donnée. Donc, quand ça va finir, tu restes tranquille jusqu'à ce qu'une D'accord. instruction te soit donnée. Suivez le carnet donné par le Saint-Esprit. Parce qu'en fin de compte, cette génération-ci, particulièrement les scientifiques, doivent être obligés d'admettre qu'il y a la guérison au nom de Jésus. C'est ça, c'est là où on en est cheminé. C'est-à-dire qu'après cela, il faut qu'ils Oui, fassent des frère. tests. Ils voient vraiment que les années où tu as passé à prendre leurs médicaments avec le moment où tu n'as pas pris le médicament, au nom de Jésus, tu as été guéri. Il y a une nette variation par rapport à leur résultat. C'est leurs machines qui vont confirmer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là où nous sommes en train de cheminer. D'accord? C'est fou. Des grandes puissances de guérison. Merci, frère. On est encore aux prémices. Non, on est encore aux prémices. Au début des fruits, les grands fruits sont en train d'arriver. Les pieds vont pousser. Les dents perdues vont repousser. Les dents vont se redresser. Ce sera terrible ce qui est en train d'arriver sur la terre. On va visiter le monde par la puissance du Seigneur Jésus. D'accord, maman? Oui, frère, merci. Que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi confortablement et écoute pour que cette chaleur, il y a une chaleur, une vague de chaleur qui va te traverser tout à l'heure. D'accord? Une vague de chaleur qui va te Oui, frère, traverser tout à l'heure. merci. N'aie pas peur. Quand la chaleur va venir, n'aie pas peur, d'accord? Amen, frère, merci. À tout à l'heure. Merci. Magnifique, 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 magnifique. Mais quand tu Il est frappes. où? Il est où son compatriote, papa Eli? Papa Eli, normalement, après qu'elle appelle, normalement, papa Eli doit appeler. Papa Eli de Belgique, j'espère que tu ne dors pas. Ou bien tu allais faire maintenant 7 km à pied. Et là, il est où? Ah, je me sens bien.
fais quoi, vous allez servir le Seigneur. Si vous servez le Seigneur, vous êtes dans le camp de la foi. Vous quittez le camp de la foi, vous allez servir. Qui est là-bas, au bout du fil, là-bas. On ne veut même pas qu'elle laisse passer aujourd'hui, là. Mm-hmm. Quelqu'un est en ligne. Shalom, Master. Mm-hmm. Peut-être que mon témoignage,